Alors aujourd'hui, les amis, c'est liste. Donc là, on peut voir, je vais être très rapide. J'ai une petite liste, donc je l'ai refaite en français pour nos clients francophones. Donc là, c'est toute une liste des éléments que je contrôle sur la voiture, intérieur, électricité et mécanique surtout, pour ne pas avoir de problème à réception. Donc là, on a cette jolie petite Mustang verte, hein, 1965, code C. Je vais finir de faire la checklist mécanique. J'ai commencé déjà tout l'intérieur et tout ça, j'ai vu. Et on va regarder ça ensemble. Attends, allez. Tu m'as dit, t'as combien de trucs à checker là? Bon, un peu moins de 100, je crois. Ça prend combien de temps? Bah, ça me prend 2 heures. Oula. Entre 1h30 et 2 heures en fonction de la voiture. Des fois, ça va très vite parce qu'elles sont nickel. Puis des fois, c'est un peu plus long parce qu'il y a un peu quoi, plus de boulot. Je vais laisser la caméra par terre et je vais faire un timelapse. Voilà. Ah oui, je patine, je manque de traction. J'ai pas mis les chaussures de drague aujourd'hui. Ça, c'est l'outil de prédilection de la liste, la lampe. Donc première étape, on va regarder les pneus, l'état et surtout l'année, parce que sur ces vieilles autos, ceux-là, ils sont 2018. Donc on est bon, ils ont 4 ans. Tu vois, c'est donc quoi, c'est 5 ans la limite. 5 ans la limite. Donc on peut voir, ils sont tout neufs. Bon, je vérifie quand même, parce qu'en fonction des pneumatiques, il y en a qui craquent même avant la date de péremption. Tu vois. Donc là, je regarde bien dans les dessins, les flancs. Ça a l'air bien. Donc là, celle-là n'a pas besoin de pneus. Bon, ce que vous savez pas, c'est qu'Alex, il va passer au moins 3 heures à faire la checklist de cette voiture. Hein, au rythme auquel il va. Mais au moins, il va au bon rythme. Il prend son temps, il vérifie. Ah non, bah, je vais vite. Hein, tu sais. Tu vois, là, j'ai déjà fait plusieurs contrôles. Là, on a dit les jeux et les bruits de roulement, c'est OK. Je dis la voiture est bien sèche, on voit que c'est une voiture californienne, elle a sa catapores rouge en dessous. Donc ça c'est cool, pas de rouille, c'est propre, bon bah c'est sale, c'est vieux, mais c'est propre. Et le mec, il a soigné les détails, il a mis les petits bouchons de siège, ça ils y sont jamais jamais. On voit le ressort du frein à main, ça a été fait. Non, c'est cool. Cool, super, allez on avance. Donc ça c'est une voiture que Charlie a acheté quand j'étais pas là. Je suis fier de lui, il a bien bossé, il a une belle trouvaille. Mais ça, tu le donnes à qui quand tu as fait ça? Ça au client. Tu le mets dans le dossier? Ouais. Donc ça me sert pour faire la... Parce que là, après, une fois que j'ai fait ça, j'ai la liste de toutes les pièces que je dois commander. Donc après, je passe à la commande des pièces. Et où, si c'est nos partenaires des établissements Cogeco qui s'en occupent, je lui commande ses pièces et il sait exactement ce qu'il a à faire sur la voiture avant qu'elle arrive. Comme ça lui permet de planifier son atelier. Tu sais quoi? Est-ce que tu sais quoi? J'allais venir vous voir à l'instant. J'ai une annonce très grave à vous faire, messieurs. On doit aller voir une Challenger. Ouf, quelle année? 2015. Ouf. Scat Pack. Ouf. 6 litres 4. Ouf. On a rendez-vous à midi à Saint-Dimas pour aller voir une Challenger. Une autre Scat Pack. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Voilà, donc on va voir ça pour un client à nous, très sympathique, qui veut absolument une belle voiture. J'avais été en voir une pour lui, mais il y avait un défaut, il y avait un témoin moteur. Et en fait, il y avait un problème avec la valve d'échappement. Et la pièce est back-order chez Dodge. Ils sont censés me rappeler pour me dire quand la voiture est prête. Mais pour l'instant, on n'a aucune nouvelle. Et comme j'ai pas toujours confiance dans les dealers, ils sont tout à fait capables de la vendre à quelqu'un d'autre sans me prévenir. Du coup, on va en voir une autre pour le client et on va à rendez-vous donc à midi. Et il est 10h18. Et à midi? Et à midi, on en profite pour manger un le truc. Le McMorning est fini. Et tu sais ce qu'on va faire? Parce que la dernière fois, on a fait le Chick-fil-A. Hein? Là, faut qu'on trouve autre chose. Ah bon, on va trouver. Ah. Avec notre ami. Vous êtes prêts? Allez, vas-y. Tu peux nous dire ce qu'il n'y avait pas de ton temps? Elle est déboulonneuse électrique, c'est assez récent quand même. Moi j'ai appris la mécanique à l'ancienne, avec la grosse déboulonneuse pneumatique en acier costaud. Et là maintenant on a ces petites machines, voilà, brushless, batterie lithium-ion, tout ça n'existait pas de mon époque. Et je vais dire même avant, mais les trucs pneumatiques ça existe depuis très longtemps. Bon, bah allez, c'est parti. C'est bon, on y va? Vous êtes prêts les mecs? Le removal. Yes. Ça, le Pierrot?
Ça va, très bien. Tout ça, bien. Le commandant Massoud, le soudeur. C'est cochon. Oh! Quel playboy. T'as une souris ou pas? Il est là, le partenaire. Tourne la page, vite fait. Regarde non, ça. Non, j'ai pas de souris. Comment tu dis? Attends. Il a dilapidé l'argent de la boîte. Alors ça, c'était l'argent du client pour la Dodge, et du coup, bah non, tout s'est envolé sur le rooftop. Désolé, hein, non, on déconne, hein, c'est des faux billets, hein, gentiment prêtés par notre par ami, la production, Karim Production. Cash hein out. Voilà. Production, et mec, le gars, il feature. Voilà, c'était pas bien mise. Ah, merci. Ah, laisse-moi voir. Pas d'accident, pas de rollback au niveau du compteur. Trois owners. Donc, elle vient du Texas, Houston. Tu peux expliquer pourquoi tu précises le rollback au niveau compteur? Qu'est-ce qui m'est arrivé là, une semaine là? Ouais, alors Karim il a vendu. Bah tiens, bah attends. Karim, tu fais partie du truc. Karim, il fait partie du truc. Mieux que moi. Mais non. J'ai vendu une voiture. J'ai vendu le Honda Element. J'ai vendu mon Honda Element à 238 000 miles. Ouais. Énorme. Le mec qui me l'achète le remet en vente 3 jours après avec 100 000 miles de moins. Ouais. Et je lui envoie un message, je lui dis. Mais c'est incroyable ce que tu as fait. Et il me dit, ah, maintenant c'est mes histoires, c'est plus les tiennes. Voilà, c'est ça qu'il m'a dit. Voilà, donc maintenant, il est équipé, le gars qui va l'acheter, malheureusement. De 100 000 miles de moins. Mais s'il fait comme nous et qu'il est précautionneux, il va imprimer son Carfax. Ça coûte quand même la modique somme de 40 balles. Ah, et on les prend par 6, nous. Ouais, il se touche un peu, quand même. All right, allez, je suis prêt. Tu es prêt? Allez, let's go. Alors, voyons voir. Encore un peu là. Ça. C'est au bout, on devrait voir la Challenger. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, sur ces voitures, un peu typées muscle car, enfin même très largement, on regarde toujours si le mec, il fait partie des gars qui aiment bien faire des burns. Tu sais, toutes les traces qu'on voit partout. Hein, y a forcément les mecs qui ont ces voitures-là qui font les burns. Donc, on va vérifier. Regardez s'il n'y a pas de traces de gomme dans les pneus, on a pas mal de petits trucs à regarder. Juste avant que tu commences là-dessus. Oui. Bah regarde. Donc ça c'est une boîte qui s'appelle... c'est 4Wheel qui fait ça. Et donc tu vois, t'as toute une partie qui se pop-up. Là c'est monté sur un heavy duty 4 roues motrices Ford. Là il y a un matelas là-dedans. Ah ouais, c'est sûr, t'as un matelas là et le truc monte. Mais comme je disais, ce qui est bien, c'est qu'avec un truc comme ça, tu peux vraiment aller dans le désert et t'es pas obligé de trimballer une remorque ou une caravane. Mais imagine toi là, demain tu vas au drift. Ouais. Tu mets la remorque derrière et tu vas là. Je pourrais le faire, mais j'ai plus la place de mettre les outils et les roues. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi l'option camping-car avec le garage à l'arrière. Parce que là, je peux mettre toutes les roues, tous les outils, etc. Et je peux tracter. Pendant ce temps, Alexandre vérifie que le gars n'est pas un burner. Là, il n'y a pas de traces de gomard collée. Par contre, ça va faire du barouf, je vous annonce direct. Ouais. Elle est straight pipe, la voiture. D'accord. Voilà. Donc straight pipe, traduction, échappement libre. Et en fonction de ce que voudra le client, il verra s'il veut remettre une ligne d'origine ou laisser un peu plus libre. Voire beaucoup plus libre. Ça, il manque pas d'agrafe, on voit pas d'overspray sur le passage de roue. Donc ça prouve que si elle a été repeinte, bah ça a été bien fait, mais je pense pas qu'elle ait été repeinte, ça a l'air d'être sa peinture d'origine. Sur le facile, on regarde là où il y a les joints en caoutchouc. Généralement, ça c'est collé, donc il les enlève pas et il cache et ça se voit en fait toujours. Et là ça a l'air propre. On verra à l'intérieur s'il y a des marques d'overspray pour voir si elle a été repeinte. Ça n'a pas l'air. Griffe là. Petit choc dans le pare-choc. Il y a un petit coup là. Et un petit peu ici. Non, c'est la peinture qui est caillée là. C'est des petits coups de porte. Donc là, je vais les laisser un peu tranquille. Il y a notre ami Charlie qui est en visio avec un client, avec le client de la voiture, potentiel client. Bon ? Ouais, c'est bon. On a déjà
déjà, on va couper ça. Got some money, man. Qu'est-ce qui se passe, Charles? J'ai trouvé des quarters, des pièces, je lui ai rendu. C'est ces pièces. You can do custom, put your own transmission shifting, paddle shifters, traction, all that. Il est en train de lui expliquer tous les différents modes. Thanks, man. Du coup, elle a quoi comme option, celle-là, sur le pack? Alors, bah t'as les sièges Alcantara, cuir Alcantara. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le son Alpine. Après, t'as des tambours à l'avant. T'es tambour à l'avant, ta direction non assistée. Mais c'est vrai que ça sonne bien. Hein. Ah, la liberté totale. C'est la finale. La France des années 80. Ça roule bien. Ouais, la boîte c'est bien. Ouais, la boîte c'est bien. Même en paddle, elle réagit bien, elle répond bien. C'est rapide hein, quand même, hein. C'est pas mal en boîte auto. Franchement, là, c'est très rapide. Franchement, en boîte vraiment automatique, putain. Ouais, c'est pas mal, surtout, enfin, c'est impressionnant. Et voilà. Il y a un peu de bruit parce que derrière il y a une autoroute. Hein. Ouais. Ah ouais. Et ta voix, bon, on va voir, tu te mets. Faut se bagarrer, faut crier quoi. Ouais, faut hurler. Je hurle. Comme le moteur de la Challenger, évidemment. Ça hurle bien. Hein. Ouais, ça gueule bien, t'as vu. Straight pipe. Il y a du son, hein. Ça envoie du bois. Hein. On va aller à la banque chercher son chèque de banque. Et ensuite, on revient le payer, partir avec la voiture. Et comme ça, notre ami Johan va pouvoir sabrer le champagne. Est-ce que tu es équipé? Donc Charlie a récupéré l'argent. Le chèque de banque, mon ami. Nous allons pratiquer un paiement. Ensuite, est-ce qu'il restait de l'essence dans cette auto? Bonne question. Très bonne question. Ça ne t'a pas alerté? Tu n'as pas eu un... Ah, mais moi, c'est la dernière jauge que je regarde, c'est celle-là. Je regarde le contour, la température, tout ça, mais l'essence, non. Nous allons procéder au paiement. Et surtout, nous allons rentrer avec cette automobile qui va certainement nous mettre un petit smile on the face, hein, au cas où on ne sourirait pas assez souvent. Parce que tout à l'heure il a essayé, mais c'est difficile. Tu vois, les gens compatissent, ils disent les mecs c'est dur ce que vous faites, et on est d'accord avec eux, c'est très dur, mais ça c'est la récompense. C'est... Alors, où c'est qu'on bouffe? Bon, apparemment ce que je propose c'est trop gras, donc je propose pas. Eh ben, on va regarder s'il y a quelque chose sur le chemin. Donc j'ai trouvé Cosmos Burger. C'est une petite chaîne, il y en a quelques-uns. Mais oui, ça va être très bien ça. Et puis comme ça, notre ami Alex pourra manger une petite salade. Et puis nous, on aurait voulu une salade, mais on a promis à nos followers que nous allions leur montrer un peu de la bouffe typique. Donc bon, on va se forcer à manger un burger. Forcer, hein. On va se forcer. Hello. Hello. Là-haut. Hi, what can I do for you today? Le light jockey, c'est Momo. Alors, voyons voir. Là, ça, c'est des boissons. À base, ça, c'est le Philly cheesesteak de notre ami. D'eau. Ça, c'est ta frite. Mais attends, tu sais quoi, regarde, on va faire. Oh, pourquoi elle est mythique cette salade? Non, mais elle est pas mythique du tout, mais c'est juste pour voir comment elle marche. Il y a des œufs, il y a du poulet, il y a de la sauce. Ah, elle est chargée quand même. Ouais, bah, c'est une salade. Je veux dire, regarde, hop, on va secouer un peu la sauce. Non, mais regardez la vue, regardez derrière vous, les mecs. Quand même. Il y a la montagne. Non, mais derrière vous, c'est la vue, elle est super. Eh bah, ben, c'est pas mal, hein, petite salade grecque, poulet. Bon, ils m'ont oublié l'avocat. On a pu apprécier le bruit. Je n'ai rien vu de tout le voyage. Tellement c'est apaisant. Tellement on peut leur expliquer un peu ce qui s'est passé qu'on n'a pas filmé, hein?
Il y a un mec, il a perdu son capot sur plein milieu de l'autoroute. Ça a tapé une Tesla. Ouais. Et un capot, ça vole, hein. Ouais, en fait, c'est... Au début, je pensais que c'était une voiture qui avait perdu son capot, mais en fait, c'était un chargement qui était à l'arrière d'un truck qui a volé. Incroyable. Heureusement, ça s'est passé à quelques voitures devant nous, donc nous sommes sains et saufs.